Au milieu des années 1970, il arrivait d'apercevoir, sur l'itinéraire conduisant du 15e au 5e arrondissement de Paris, un personnage grisonnant, habillé comme l'as de pique, pédalant sur un vieux clou au porte-bagages surchargé de paquets et de livres en équilibre instable. Vous reconnaissant à la dernière minute, il s'arrêtait net et, dans un rire, distillait des propos inattendus. Puis il repartait pour donner son cours d'histoire de la civilisation moderne au Collège de France. Emmanuel Leroy Ladurie, mort ce jeudi 23 novembre à l'âge de 94 ans, était une personnalité en perpétuel mouvement, était-ce par antiphrase, ou par provocation, qu'il avait intitulé sa leçon inaugurale, le 30 novembre 1973, l'histoire immobile. Il avait alors 44 ans et succédait à Fernand Braudel, qu'il avait pris sous son aile dès 1955. Il était né en 1929, dans ce village du Cinglet dont son père, Jacques Leroy Ladurie, était maire depuis l'année précédente et le restera jusqu'en 1983. Son père, propriétaire exploitant engagé dans le syndicalisme agricole, faisant sienne la cause de la paysannerie, il dut à sa réputation d'expertise d'être appelé en avril 1942 par Pétain, camarade de promotion de son père à l'école de guerre, au ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement dans le cabinet Laval. Il en démissionnait dès septembre, et entrait bientôt en résistance combattante. Aussi, en décembre 1945, la Haute Cour de justice prononça-t-elle un non-lieu en sa faveur. De 1951 à 1962, il représenta à l'Assemblée nationale, sur les bancs de la droite, la 5e circonscription du Calvados. Il en résulta, pour le deuxième de ses quatre enfants, un attachement au monde rural qui orientera nombre de ses travaux et une relation au père qui restera toujours un tourment. Fut-elle, en forme de contre-pied, à l'origine de son adhésion au communisme alors stalinien, dès son admission à l'école normale supérieure en 1949. Nombre d'étudiants de sa génération entrèrent comme lui en religion, ses amis Annie Kriegel, Denis Richer et François Furet, Maurice Agulon, Jacques Ozouf, Alain Besançon. Astérisque. La rupture en 1956, après le rapport Khrouchtchev et Budapest, ne le délivra pas complètement du poids de cette expérience. Comme d'autres, mais à sa façon inimitable, il s'en est expliqué dans un livre à succès paru en 1982, Paris-Montpellier. P. C. PSU. 1945 à 1963. À cet instant, l'activité scientifique prit le dessus, alors qu'il enseignait depuis 1953, et pour 10 ans, au lycée Joffre puis à la faculté des lettres de Montpellier, découvrant le Languedoc. Il devait le découvrir bien davantage en entreprenant, sous la direction d'Ernest Labrousse, alors maître éclairé de l'histoire économique et sociale, une thèse relative à « l'histoire agraire du Bas-Languedoc sous l'Ancien Régime ». Elle donna lieu, en 1966, à la publication de son premier grand ouvrage, « Paysans de Languedoc », qui l'installa au premier rang de sa belle génération d'historiens, parmi les Duby, Chaunu, Delumeau, Le Goff. Ces paysans, il ne cessa pas de les sonder, en particulier dans l'histoire des paysans français, de la peste noire à la Révolution, 2002, exposant avec élégance et humour comment castrer un bélier, par bistournage ou par fouettage, ou dissertant sur l'aménorrhée due à la famine. Attentif aux variations de conjoncture qui les affectaient, il s'empara de la difficile question du climat, dont il devint l'historien pionnier et incontesté. On s'épuiserait à recenser les travaux qu'il lui consacra, culminant avec les 3 volumes de Histoire humaine et comparée du climat, 2004 à 2009. Cette recherche le conduisit à des randonnées pédestres, avec Madeleine, épousée en 1955, pour mesurer l'empreinte séculaire des glaciers alpins, et, en dendrochronologue consciencieux, à examiner des troncs d'arbres. À lire aussi ce que dit le rapport du GIEC, et ce que certains veulent lui faire dire. Par lui, on sut tout du « petit âge glaciaire » qui affecta l'Europe du début du XIVe au milieu du XVIIIe siècle, avant le réchauffement qu'il signala en précurseur. « Oui, écrivait-il en 2015, le climat va bousculer nos destins. » Dès lors, Leroy Ladurie fut de toutes les grandes entreprises historiographiques, histoire de la France urbaine, histoire de la France rurale, histoire de France Hachette, très tôt, il avait compris tout le parti que l'histoire économique et sociale pouvait tirer de l'ordinateur. L'historien de demain sera programmeur ou ne sera pas, écrivait-il dès 1968. Parfois en liaison avec des universités américaines où il était comme chez lui. Il lança de grandes enquêtes que seule l'informatique rendait possible, et usa abondamment de cette dernière dans ses propres travaux, virtuose des chiffres, cartes et graphiques, sans jamais céder au vertige d'une histoire purement quantitative et sérielle,
mesurer à l'année près les variations de la dîme en Languedoc au XVIIIe siècle, soit, mais pour conclure sur les conditions d'existence et de pensée des populations concernées. Il se tenait encore en lisière du grand public lorsqu'il y fit une entrée fracassante en 1975 avec Montaillou, village occitan. Le titre, en soi, confiné au génie, un toponyme chantant digne de Frédéric Mistral, le village fleurant les sabots et le pot à sel pour des urbains nostalgiques, enfin une Occitanie anachronique et fantasmée, flattant un régionalisme à la mode. Le succès, mesuré aux centaines de milliers d'exemplaires et à une prodigieuse exposition médiatique, fut aussi éclatant qu'inattendu. PLRL, comme on dit bientôt, devint en quelques mois l'historien français le plus célèbre dans le monde entier. Ce talent à exploiter et faire parler un document déjà connu, ici le registre de l'inquisiteur Jacques Fournier enquêtant en 1320, le Roy Ladurie l'illustra dans le Carnaval de Romans, 1979, l'argent, l'amour et la mort en Pays d'Oc, 1980, ou encore Saint-Simon ou le système de la cour, 1997, qui, à la lumière du grand anthropologue Louis Dumont, Homo hiérarchicus, 1966, périmait le célèbre ouvrage de Norbert Elias. À une carrière scientifique jalonnée de repères académiques, École des hautes études, co-direction de la revue Les Annales, Collège de France, Académie des sciences morales et politiques, s'ajouta une activité journalistique foisonnante de comptes rendus regroupés dans les deux volumes de Parmi les historiens, 1983 à 1994. Parmi les politiques aussi lorsque, nommé administrateur général de la Bibliothèque nationale à la fin de 1987, il découvrit que la politique vit de choses injustes puisqu'il n'obtint pas, en 1994, la présidence de la nouvelle BNF qu'il avait contribué à faire advenir tout en critiquant l'absurde architecture. Retiré du PSU en 1963, il acheva de rompre avec la gauche lors de l'alliance électorale de 1978. La perspective de ministre communiste au gouvernement, c'était plus qu'il ne pouvait supporter. Il en vint, à l'exemple de son ami Jean-François Revel, à un libéralisme bien tempéré et dressé contre tous les totalitarismes. C'est ainsi qu'il rejoignit, en 1978, le Comité intellectuel pour l'Europe des libertés, en soutien aux dissidents polonais, russes et autres, qu'il participa en 1982 à la création de la Fondation Saint-Simon, avec Alain Minc, François Furet et son propre beau-frère Roger Faurout, et qu'en 2006, il succéda à Revel comme président de l'Institut d'histoire sociale, fondé jadis par l'antistalinien Boris Souvarine. Bien que ces dernières années furent assombries par une cécité progressive, puis par une immense fatigue, le territoire de cet historien non conformiste, faisant chanter les chiffres et danser les textes, promenant un air espiègle de Tintin au pays des savants, les poches bourrées de papiers sur lesquels il écrivait de tout, c'était, tout simplement, la vie.